Assalamu alaikum. C'est Ahlam Dib. Je vais vous expliquer chapitre 2, vitesse de réaction, partie 2. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez vos outils. À la fin de cette vidéo, vous allez acquérir ces objectifs. Vous avez déjà vu dans la vidéo précédente qu'on peut représenter la variation de la concentration ou le nombre de moles d'un réactif ou d'un produit en fonction du temps. Dans le cas d'un réactif, on obtient une courbe descendante, alors dans le cas d'un produit, la courbe est ascendante. N'oubliez pas que ces deux courbes sont appelées courbes cinétiques. Aussi, vous savez que pour chercher la vitesse moyenne d'une réaction, on peut chercher la vitesse moyenne de disparition d'un réactif ou bien la vitesse moyenne de formation d'un produit. Alors que pour calculer la vitesse instantanée de la réaction, on se réfère à la vitesse instantanée de disparition d'un réactif ou bien la vitesse instantanée de formation d'un produit. Vous savez aussi des classes précédentes que pour calculer la vitesse d'une voiture, il faut diviser la distance parcourue par le temps nécessaire à parcourir cette distance. Souvenons que la vitesse de réaction, c'est la variation de la concentration ou bien le nombre de moles d'une espèce par unité de temps. Voyons cette formule. La vitesse, c'est la variation de la concentration de S sur la variation du temps. Elle est écrite de cette façon, delta, concentration de S sur delta T. S, c'est le réactif ou le produit considéré. Les deux crochets ici signifient la concentration qui a pour unité mol par litre. Le temps peut être exprimé en secondes, minutes ou heures. Ce qui fait que l'unité de la vitesse va être l'unité de la concentration par l'unité de temps qui peut être mol litre moins 1 seconde moins 1 ou bien mol litre moins 1 minute moins 1 ou mol litre moins 1 heure moins 1. Et si la vitesse est exprimée par la variation du nombre de mol du réactif ou de produit par la variation du temps, alors on écrit delta N sur delta T, S est le réactif ou bien le produit, N est le nombre de moles exprimé en moles, et le temps peut être exprimé par ces unités, ce qui fait que l'unité de la vitesse dans ce cas va être mol seconde moins 1 ou mol minute moins 1 ou bien mol heure moins 1. Prenons la réaction déjà vue dans la vidéo 1. Le réactif A donne le produit B. Ce sont les courbes cinétiques relatives à A et B. La vitesse moyenne de formation de B, regardez comment on va l'exprimer. C'est la lettre V pour vitesse, la barre ici pour dire c'est la vitesse moyenne de formation de B. Formation puisque B, c'est un produit. On doit choisir deux instants pour chercher la vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne de formation de B dans l'intervalle du temps 150-300 secondes est égale à la variation de la concentration de B dans cet intervalle du temps sur delta T est égale à la concentration de B à T égale 300 secondes moins la concentration de B au temps T égale 150 secondes sur T2 moins T1 qui sont 300 moins 150. Pour savoir la concentration de B à T égale 300, on va regarder ce graphe. Pour T égale 300, la concentration de B est égale à 1,5 mol par litre. On l'écrit ici, moins
La concentration de B à T égale 150 donne une valeur égale à 1,1 mol par litre, est égale à 0,00266. Toujours écrivez, s'il vous plaît, le nombre en notation scientifique avec deux chiffres après la virgule. Alors, on obtient 2,66 fois 10 exposant moins 3. S'il vous plaît, n'oubliez pas l'unité de la vitesse qui est ici mol litre moins 1 et le temps en seconde. Alors, c'est mol litre moins 1 seconde moins 1. Alors, la vitesse moyenne de formation de B, si on joint les deux points choisis par une droite, on obtient une séquence qui coupe la courbe en deux points B1 et B2. Et la vitesse moyenne de formation de B dans l'intervalle du temps 150-300 secondes va être égale à la pente de cette séquence qui est cherchée par la différence des ordonnées de ces deux points sur la différence de leurs abscisses. Et on peut dire que la vitesse moyenne de formation de B dans l'intervalle du temps delta t est égale à la pente de la séquence à la courbe concentration de B égale f de t au point d'abscisse t1 et t2 choisi. Pour la même réaction A dans B, pour chercher la vitesse moyenne de disparition de A qui est un réactif, on écrit vitesse moyenne de disparition de A dans l'intervalle du temps 150-300 secondes est égal à delta concentration de A sur delta T. La différence est égale à la concentration de A à T égale 300 secondes moins la concentration de A à T égale 150 secondes sur T2 moins T1 est égale à 300 moins 150. À T égale 300 secondes, la concentration de A est 0,2 moins à T égale 150, la concentration de A est égale à 0,6 secondes. Regardons, chers élèves, 0,2 moins 0,6 va donner une valeur négative. Alors, pour avoir une valeur positive de la vitesse moyenne, il faut mettre ici un signe moins, ici encore et ici encore. Alors, mémorisez dorénavant que la vitesse moyenne de disparition d'un réactif est égale à l'opposé de delta concentration sur delta T. Pourquoi? Car delta concentration, dans ce cas, va avoir une valeur négative, car la concentration à T2 va être toujours plus petite que la concentration à T1. Alors, on obtient comme valeur 0,00266 égale à 2,66 fois 10 exposant moins 3 comme écriture scientifique. Et n'oubliez pas l'unité mol litre moins 1 seconde moins 1. Et si on rejoint les deux points choisis par une droite, on obtient une séquence qui coupe la courbe cinétique du réactif A en deux points A1 et A2 et la vitesse moyenne de disparition de A dans cet intervalle du temps va être égale à l'opposé de la pente de cette séquence, c'est-à-dire la différence entre les ordonnées sur la différence entre les abscisses. Et on dit que la vitesse moyenne de disparition de A dans l'intervalle de temps delta t est égale à l'opposé de la pente de la séquence à la courbe concentration de A égale f de t au point d'abscisse choisi. Toujours on dit l'opposé de la pente pour avoir une valeur positive pour la vitesse puisqu'il s'agit d'un réactif. Et alors, que vaut la concentration de la réaction dans cet intervalle de temps?
En effet, la vitesse de la réaction dans cet intervalle de temps 150-300 secondes est égale à la vitesse moyenne de formation de B dans l'intervalle du temps 150-300 secondes est égale à la vitesse moyenne de disparition de A dans le même intervalle du temps est égale à 2,66 fois 10 exposant moins 3 mol litre moins 1 seconde moins 1. Que se passe-t-il si les coefficients stoichiométriques des réactifs et des produits ne sont pas égaux à 1? Voyons. On a cette réaction chimique N2 plus 3H2 donne 2NH3. Voici un tableau et un mélange formé de 10 mol de N2 à T égale 0 et 40 mol de H2 à T égale 0. Bien sûr, le nombre de mol du produit est zéro au début de la réaction. Notons, chers élèves, que le mélange des réactifs ici, 10 et 40, n'est pas stoichiométrique car 10 et 40 ne sont pas proportionnels à 1 et 3, les coefficients stoichiométriques de N2 et H2. Alors, à la fin de la réaction, le réactif qui va être totalement consommé, c'est N2. Et le réactif qui va rester en excès, c'est H2. L'avancement de cette réaction est moins x pour N2, moins 3x pour H2, plus 2x pour NH3. À t égale 5 minutes, on a 5 mol de N2, c'est-à-dire 5 mol restent à partir de 10. Ce qui fait que le nombre de mol de N2 réagi, c'est 10 moins 5 est égal à 5. Pour savoir le nombre de mol de H2 restant à T égale 5 minutes, on va appliquer la formule N restant à T égale 5 minutes égale N de H2 initial moins N de H2 réagissant. N de H2 initial, c'est 40 mol, moins 3x. Pour x égale 5, on va avoir 25 mol. Pour savoir le nombre de mol de NH3 formé à t égale 5 minutes, on applique 2x. 2 fois 5 égale 10 mol. À t égale 15 minutes, le nombre de mol de N2 restant est 2, alors que à t égale 20 minutes, le nombre de mol de N2 restant est 1. S'il vous plaît, pausez la vidéo et remplir le tableau pour T égale 15 et 20 minutes. Vous allez avoir comme réponse les valeurs suivantes. À T final, la fin de la réaction, N2 va être totalement consommé puisqu'il est le réactif limitant. Alors, toute cette quantité est consommée, alors X égale à 10. Et à T final, le nombre de mol de N2 restant est 0 mol. Le nombre de mol de H2 restant, c'est 40 moins 3 fois 10 égale 10 mol. Et le nombre de mol de NH3 formé est égal à 2x, 2 fois 10 égale 20 mol. Utilisons ce tableau qu'on a rempli pour chercher la vitesse moyenne de disparition de H2 dans l'intervalle du temps 5 minutes, 15 minutes. On écrit vitesse moyenne, n'oubliez pas le tiret ici, de disparition de H2 dans l'intervalle du temps 5-15 est égal à moins, pourquoi moins? Puisque H2 c'est un réactif, toujours devant la variation du nombre de mol d'un réactif, on met moins car la valeur ici va être négative. Donc au total, on va avoir une valeur positive pour la vitesse. Alors, moins delta, nombre de mol de H2 sur delta T, c'est-à-dire le nombre de mol de H2 à T égale 15, T2, moins nombre de mol de H2 à T égale 5 sur T2 moins T1 est égal à moins, on cherche les valeurs du tableau, à T égale 15, le nombre de mol de H2 c'est 16, à t égale 5, le nombre de mol de H2 c'est 25, alors 16 moins 25, 16 moins 25 c'est moins 9, et on a ici moins, alors on va avoir 9 sur 10 égale 0,9,
il nous reste l'unité. On a delta n, alors mol, divisé par le temps qui est ici, minute, alors 0,9 mol, minute moins 1. Cherchons maintenant la vitesse de disparition de N2 dans l'intervalle du temps delta t, 5 minutes, 15 minutes. S'il vous plaît, prenez 2 minutes pour résoudre cette question. La vitesse moyenne de disparition de N2, qui est un réactif, dans l'intervalle du temps 5-15 minutes est égal à, n'oubliez pas, moins delta N de N2 sur delta T égale moins N de N2 à 15 minutes moins N de N2 à 5 minutes sur T2 moins T1 égale à moins 2 moins 5 sur le temps 15 moins 5. 2 moins 5 va donner moins 3, et puisqu'on a ici moins, alors c'est 3 sur 10, c'est 0,3, et l'unité, c'est aussi mol minute moins 1. Les deux valeurs de vitesse sont différentes. Alors, on reprend de nouveau la vitesse moyenne de disparition de H2 dans cet intervalle du temps, c'est 0,9 mol minute moins 1, et celle de N2 est 0,3 mol-litre moins 1, on a déjà calculé ces valeurs. Cherchons maintenant la vitesse moyenne de formation de NH3 qui est un produit dans l'intervalle du temps delta t 5 minutes, 15 minutes. Aussi, prenez 2 minutes pour calculer cette question. La vitesse moyenne de formation de NH3 dans cet intervalle du temps est égale à delta n de NH3 sur delta t, on ne met pas ici moins puisqu'il s'agit d'un produit et delta n dans ce cas est toujours positive. Pour t égale 15, le nombre de moles de NH3 c'est 16 moins 10 sur 15 moins 5. 16 moins 10 donne une valeur positive, c'est 6 sur 10 égale 0,6 moles minute moins 1. Et maintenant, les trois valeurs de vitesse sont totalement différentes. Comment chercher la vitesse moyenne de la réaction, maintenant, de cette réaction, dans le même intervalle du temps, 5-15 minutes? Voyons. Regardez, chers élèves, les coefficients stoichiométriques des réactifs et du produit et revenez à la valeur de la vitesse calculée. Est-ce qu'il y a une relation entre ces coefficients et ces nombres? Oui, on remarque que la vitesse moyenne de disparition de N2 dans l'intervalle du temps 5-15, ici, qui est 0,3, elle est égale à 1 sur 3, celle de H2 qui est 0,9. Aussi, on remarque que la vitesse moyenne de disparition de H2, qui est 0,3, est égale à 1 demi la vitesse moyenne de formation de NH3 dans le même intervalle du temps. Eh bien, que vaut la valeur de la vitesse moyenne de la réaction dans ce cas? La vitesse moyenne de la réaction dans ce même intervalle du temps est égale à la vitesse moyenne de disparition de N2 dans cet intervalle du temps, ou bien elle est égale à 1 sur 3, la vitesse moyenne de disparition de H2 dans cet intervalle du temps, ou bien elle est égale à 1 demi la vitesse moyenne de formation de NH3 dans le même intervalle du temps. Ces trois valeurs sont égales à 0,3 mol minute moins 1. Alors, en général, pour cette réaction où les réactifs et les produits ont des coefficients stoichiométriques n'est pas égal à 1 et durant un intervalle du temps delta t, on peut dire que la vitesse moyenne de la réaction dans un intervalle du temps choisi est égale à la vitesse moyenne de disparition de A sur le coefficient A est égale à la vitesse moyenne de disparition de B sur le coefficient B est égal à la vitesse moyenne de formation de C sur le coefficient de C, qui est petit c, est égal à la vitesse moyenne formation de D sur le coefficient stoichiométrique D. Et si on remplace
la vitesse moyenne par sa valeur, on obtient moins, pourquoi? Puisque delta, concentration de A sur delta T est négative, alors on met ici moins, et ça c'est le A ici, est égal aussi à moins 1 sur B, delta concentration de B sur delta T est égal à 1 sur C, delta concentration de C sur delta T est égal à 1 sur petit d, delta concentration du produit D sur delta T. Pour delta C et delta D, on ne met pas ici des moins car leur valeur est positive, ce qui fait que cette égalité donne une valeur positive. Et toujours, le nombre de moles des réactifs diminue, c'est pour cela on met moins, alors que le nombre de moles des produits augmente, on ne met pas ici des signes moins. Et toujours, faites attention que la vitesse de réaction est une grandeur positive et lors de la détermination de la vitesse de réaction, coefficients stoichiométriques doivent être utilisés. Faisons maintenant une petite application, c'est le numéro 2 de la fiche ou bien de votre livre. Lisez, s'il vous plaît, et prenez 5 minutes pour résoudre la partie A du numéro 2. Alors, la solution. Selon la stoichiométrie de la réaction, on dit le nombre de moles réagit de NO sur 2 est égal le nombre de moles de O2 réagit sur 1 est égal le nombre de moles de NO2 formé sur 2. Alors, delta N de NO sur 2 est égal à delta N de O2 sur 1 est égal à delta N de NO2 sur 2. On met moins ici et moins ici car delta N d'un réactif est toujours négative. On met le moins ici pour avoir une valeur positive qui va être égale à delta N d'un produit qui est positif et l'égalité maintenant est vraie. Alors, pour calculer la variation delta N de NO, ici, on choisit cette égalité et on va avoir delta N de NO est égal 2 fois delta N de O2, 2 fois moins 5, moins 10 mol, moins 10 puisque delta N d'un réactif est toujours négative. Pour chercher delta N de NO2, on utilise cette égalité. Alors, delta N de NO2 est égal 2 fois moins delta N de O2. Delta N de O2 est négative, il y a ici un moins. Alors, on obtient une valeur positive, ce qui est vrai pour la variation du nombre de moles d'un produit. Maintenant, partie B de l'application. Prenez aussi une minute pour résoudre partie B. Alors, pour chercher la vitesse moyenne de disparition de O2, on écrit moins delta N de O2 puisque O2 est un réactif, alors delta N est négative, il faut mettre moins ici, sur delta T, c'est moins, la variation de delta N était moins 5 mol dans la question, dans la partie précédente, sur 100 secondes, c'est la durée. Ok, alors on obtient 0,05 mol seconde moins 1. Et la vitesse moyenne de disparition de NO sur 2 est égale celle de O2 sur 1, selon la stoichiométrie de la réaction ici. Alors, vitesse moyenne de disparition de NO est égale à 2 fois la vitesse moyenne de disparition de O2, ça vaut 0,1 mol seconde moins 1. Maintenant, la partie C de l'application, déterminer la vitesse moyenne de la réaction dans le même intervalle du temps. Prenez aussi une minute pour résoudre cette partie. Alors, la solution est, la vitesse moyenne de la réaction est égale à la vitesse moyenne de disparition de NO sur 2, est égale à la vitesse moyenne de disparition de O2 sur 1, est égal à la vitesse moyenne de formation de NO2 sur 2. On choisit la valeur calculée déjà.
et la vitesse de la réaction, elle est égale à la vitesse de disparition de O2, la vitesse moyenne est égale à 0,5 mol seconde moins 1. Et c'est la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. C'est l'essentiel que vous devez écrire sur votre cahier de chimie. N'oubliez pas que la vitesse de réaction est une grandeur positive, toujours, toujours, toujours. C'est votre agenda aussi. À bientôt dans la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.